Boigny, président de la Côte d'Ivoire, est accueilli par une salve de 21 coups de canon et les honneurs dus à son rang. Le président et Mme John Kennedy sont les premiers à saluer le président et Mme Houphouët-Boigny. Le secrétaire d'État Dean Rusk et les citoyens de Washington. Les membres de cabinet, les diplomates et les personnalités de la capitale sont à l'aéroport pour accueillir le chef d'État. Maison-Blanche, où le président Houphouët-Boigny passe de nombreuses heures en conversation privée avec le président canadien. Ils discutent des projets de coopération économique entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et du développement régional. Ils discutent aussi de problèmes internationaux, en particulier de la situation actuelle en Afrique, au sud du Sahara. Le président canadien déclare « Grâce à nos conversations, j'ai appris à mieux connaître et à mieux comprendre les problèmes auxquels votre pays doit faire face. J'ai acquis une plus grande compréhension des forces irrésistibles qui sont à la base des relations entre les États africains. » Certains hommes font l'histoire avec des légendes. Monsieur Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, fait la sienne avec des réalités, des contacts humains. Réalité, le voyage qu'il accomplit le matin du 4 juin 1962, quand après un accueil triomphal aux États-Unis, il posait le pied sur ce sol britannique couvert de gloire et de tradition. Le soleil brillait et c'était un peu de l'Afrique qui vint ainsi à la rencontre du président ivoirien, l'accueillir avec chaleur, avec des fleurs. C'est Madame Houphouët-Boigny qui portait allègrement ses fleurs, saluant d'un geste gracieux la foule massée derrière les barrières pour mieux les voir. Oui, c'était toute l'Angleterre qui s'était donné rendez-vous autour des illustres visiteurs. L'Angleterre la plus moderne, comme l'Angleterre de plus ancienne tradition. Témoin, cette fameuse abbaye de Westminster où sont sacrés les rois et les reines. Elle semblait dire, entrez donc, voici mes trésors, mes reliques d'or, mes sanctuaires, mes morts illustres, toutes mes pierres. Le président n'hésita pas. Le 5 juin au matin, il accepta l'invitation en rendant hommage à la tombe du soldat inconnu et en y déposant une couronne de fleurs aux couleurs ivoiriennes. Buckingham, un nom qui à lui seul est tout un programme. La reine y règne, environnée des grenadiers de la garde royale. C'est là, dans ce palais, qu'en compagnie de Madame Houphouët-Boigny, de Monsieur le président de la Cour suprême et Madame Boka, de Monsieur le gouverneur Guy Néré, de l'ambassadeur Bokoum et Madame, le chef d'État ivoirien avait été reçu à déjeuner par la reine Elisabeth II et fut nommé Grand Croix de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Le président Houphouët-Boigny est un ancien ministre français. Et voici tout à coup expliquer cette visite qu'il rendit à la Chambre des communes. Une véritable école de démocratie, a-t-il dit au chairman, Sir Herbert Butcher, dans l'allocution qu'il prononça pendant le thé. C'est non seulement en tant que chef d'État, mais surtout en tant qu'ancien parlementaire,